Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Et je vois que le bug n'a pas disparu, donc je n'ai pas le choix, il va falloir que je prenne l'antidote qui se trouve donc dans le niveau suivant. Alors je vais m'en aller et essayer le plus rapidement possible de le récupérer parce que ce n'est vraiment pas du tout agréable. En plus, mon viseur n'est plus du tout aligné comme il faut. Alors on va essayer de passer discret. Oula. Génial. On va essayer de passer discrètement. Voilà. On s'en va. On ne reste pas dans le coin. Alors je vais garder la clé à molette. À la rigueur, je serai plus précis comme ça. Et... Ah oui, il me reste une petite sœur quand même à trouver. Je pense que je la trouverai dans les environs. Oh là là là. Je suis vraiment désolé pour ce gros bug. Alors oui, on va essayer de l'avoir. Hop là. Les contrebandiers sont les amis de Parasite. Vous devez dénoncer les contrebandiers. Dégagez de mon territoire. Alors par contre. Alors où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Où est-ce qu'il est? Oui, il est là. Hop là. Alors. Toujours pas de petite sœur. Ça commence à devenir embêtant. Parce que la suite des aventures, c'est par là. Et il faudrait quand même que je récupère une petite sœur encore. Ce serait bien. Alors. Alors, on va rester caché. Parce qu'en fait, en général, quand on reste à proximité d'une aération, tandis que le protecteur frappe pour appeler une petite sœur, et bien si on est juste à côté. La petite sœur ne va pas se montrer. Et là, regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Bon alors, étant donné que j'ai une très mauvaise vision, on va y aller comme ça. Parce que sinon, on va avoir du mal. Voilà. On ne s'embête pas. Parce que là, je n'ai aucune précision. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je suis vraiment désolé. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait. Je peux encore la sauver? Alors là, c'est une première. Je sais pas si c'est un énorme bug, mais je l'ai sauvé deux fois d'affilée. Alors là, je dois avouer que je sais pas trop quoi dire. Mais je crois me souvenir que lorsque j'étais allé sur un site internet, il y avait en fait des sortes de petites sœurs cachées. Oula. Alors peut-être que c'est ça justement. Je n'en sais rien. Mais en tout cas. Alors, une armure corporelle, c'est très bien. On va rapidement. Je ne peux même plus. Ah bah non, c'est vrai. Étant donné que je change de plasmide tout le temps, je ne peux donc pas pour l'instant aller au jardin des glaneuses. C'est pas grave. On va aller vite vers le niveau suivant. Donc voilà, la place Apollon, c'est une zone qui ressemble un petit peu à la hauteur d'Olympie, hein, d'un point de vue architectural. Si ce n'est que c'était ici en fait qu'ont commencé
les révoltes. D'ailleurs, la femme d'Andrew Ryan, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Diane McIntosh, a dit dans l'un de ses enregistrements, ils ont commencé à rassembler les gens sur la place Apollon. Donc c'est là que tout a commencé. Je ne sais pas si Atlas en lui-même, enfin le personnage incarné par Fontaine, était à l'origine aussi de ces réformes, mais en tout cas, c'est ici que tout a réellement commencé. Alors, c'est parti. Alors, j'ai réussi, je sais pas comment, à bloquer le bug. Donc, comme ça, on va pouvoir prendre notre temps pour aller chercher le remède. Et ça me permettra donc de bien explorer l'ensemble. Alors. Oh bah. Nous sommes gâtés. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va lui envoyer des carreaux incendiaires. Ça lui fera plaisir. Oula. On va se régaler, les gars. Ah bah. On va laisser les chrosomes affaiblir un petit peu le protecteur. On va attendre donc qu'il les tue tous. Et puis ensuite, on s'occupera du protecteur. Ceci dit, le protecteur n'a pas subi de gros dégâts. Oula, il m'a repéré. Et voilà. Donc vous l'avez remarqué, les carreaux incendiaires sont mortels. Alors, on va se... Non, c'est bon, il ne veut pas me chercher des noises. Alors ça commence à me faire beaucoup d'adans. Alors... Oh, j'aime le lance-flammes. Très efficace contre eux. Ah oui, alors ce plasmide-là, c'est ce qu'on appelle le plasmide leurre. En gros, ça crée une espèce de petit clone. Alors pas de vous, mais ça, enfin, qui ressemble plutôt à un chrosome. Et les chrosomes vont donc s'attaquer à ce clone, ce leurre, pendant que vous vous attaquerez tranquillement au chrosome. Alors, elle. Et donc. Il a fallu deux carreaux d'arbalète pour en venir à bout. C'est quand même beaucoup. Oh, il y en a un autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer. Voilà. Alors. Voilà, donc cette Diane McClintock hein, fait, ouah, qu'est-ce qui m'a pris, fait bien référence donc aux événements qui se sont passés sur la place Apollon, et ça a conduit donc à des répressions sanglantes. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Alors je ne sais plus quel chemin prendre. Il y en a deux. Suite Artemis. Eh ben, on va aller par là. Apparemment, la flèche m'indique que c'est par là que se trouve le remède. Alors, on va y aller. J'ai été repéré. Ouais. Ce qui est vraiment très agaçant maintenant avec les chromosomes, c'est que dès qu'ils vous repèrent, ils se mettent à hurler et vous attaquent.
Ça devient vraiment très agaçant. Alors, qu'y a-t-il ici? Alors, il y a une caméra de surveillance. On va s'en débarrasser. Voilà. Donc, faut vraiment maintenant se méfier. Oula. Faut vraiment se méfier maintenant de tous les chromosomes qui sont allongés. Parce que à partir de ce niveau, beaucoup vont se relever. Ce qui est donc très agaçant parce qu'en général, ils ne sont pas tout seuls à s'en prendre à vous. Alors.